Et salut à tous, c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un maillot très très spécial que j'ai reçu il y a quelques temps. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vais pas faire durer le suspense un peu plus longtemps, vous l'avez vu sur la miniature. Et moi-même je n'y croyais pas quand je l'ai trouvé. J'ai enfin acquis une pièce unique pour moi. C'est un maillot qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est mon coureur préféré. Et en plus il est signé, le maillot vert du Tour de France 2018, signé par Peter Sagan. C'est un vrai maillot, c'est le maillot officiel. Je sais pas comment vous le montrer, mais cette fois-ci c'est un vrai maillot. Parce que je vous rappelle que j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous ouvre un faux maillot AliExpress, que je fais croire que c'est un vrai. Mais celui-ci est vraiment un vrai maillot. Donc déjà on voit bien la signature de Sagan ici. Donc c'est bien une vraie signature. On y voit le flocage, hein, qui est bien du vrai flocage. Et même là on voit bien que ça a bien été floqué, parce qu'on peut voir la délimitation ici de la fermeture éclair, là, qui a été même pris dans le flocage. Voilà, Tour de France 2018 avec le logo du coq sportif en bonne qualité. Vous voyez qu'il est en 3D un petit peu, ce logo. Donc ce qui montre bien le côté officiel de ce maillot. Voilà, le maillot vert officiel de Peter Sagan. Vraiment, je suis quand j'ai trouvé ce maillot, j'étais comme un fou, j'étais comme un dingue, comme un gamin. Parce que je venais trouver la pièce unique pour ma collection, quoi. Le maillot officiel de Peter Sagan. Donc voilà, je vais vous montrer des petits plans un petit peu plus qualitatifs et on se retrouve juste après. Ok, mais j'y crois vraiment pas. J'y crois vraiment pas. J'ai acquis cette pièce, mais elle est vraiment incroyable. Enfin, c'est le maillot officiel, quoi. C'est le vrai, quoi. Je sais pas comment vous le prouver, mais c'est bel et bien le maillot officiel de Peter Sagan. Je sais vraiment pas comment vous le prouver, mais c'est bel et bien un vrai maillot. Enfin, vous voyez, il y a les manches et tout. Si je vous fais un comparatif avec le faux maillot, je vais vous faire d'ailleurs un comparatif avec le faux maillot. Je ramène le faux maillot à l'Express. Donc voilà, comment comparer le vrai du faux. À ma gauche, ici, celui que je bouge, c'est le faux. Et ici, c'est le vrai. Je sais pas comment vous montrer un faux et le vrai, mais regardez d'abord le logo Skoda. Vous voyez bien qu'il y a une différence quand même. Il y en a un qui est plus vulgaire ici, et lui est un petit peu mieux. Vous voyez bien qu'il y avait marqué le coq sportif, mais XL ici, et M ici, la fermeture, pareil, une fermeture noire ici, mais ce que là c'est la fermeture officielle du coq sportif, derrière pareil, sauf que le logo du coq sur le faux maillot ici, et eh bien normalement il est ici pour le vrai maillot, il est bien derrière, il est bien ici pour le vrai maillot et il est sur le côté pour le faux. Voilà, le logo coq sportif ici sur le faux est en bas et ici il est en haut des poches. Donc voilà, ça nous montre bien que ce maillot est bel et bien un maillot officiel qui a été porté et signé par Peter Sagan. Et voilà, la signature du triple champion du monde, de l'ex-triple champion du monde, Peter Sagan. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ce maillot unique qui part directement dans un cadre quand les magasins rouvriront. Et voilà, c'est vraiment une pièce unique de collection et je suis très content de... Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé et moi j'ai plus qu'à vous dire, bonne route à vous.